Notre série de la semaine consacrée au photographe vous propose un autre portrait, celui d'Armand Amenta. Il est président du club photo de Pérignat-sur-Allier et ce n'est pas pour rien. Il a obtenu de nombreuses récompenses dans des concours en France mais aussi à l'étranger. Christian Lamorel et Bruno Livertou nous emmènent en voyage dans ces clichés. Je ne calcule pas mes photos quand j'ai photographié. Je photographie à l'instant. Donc je suis un peu un chercheur de photos. Je ne prépare pas les choses. Hein. Pas de studio, pas de composition. Uniquement, donc, comme je voyage pas mal. Donc maintenant, on voyage aussi pour faire de la photo. Armand Amenta est un photographe amateur autodidacte. Au fil des ans, il a peaufiné son œil et sa technique. Il n'a pas vraiment de thème de prédilection. Il s'intéresse à la fois au paysage et au contact avec les gens. Cette photo, là, c'était assez marrant. On était dans une ville, c'était au Rajasthan, et on se promenait donc, à côté d'un marché. Et puis, cette personne qui est à côté de moi, elle m'a vu avec l'appareil photo, et tout de suite, elle a sauté, elle s'est mise devant moi, et elle a voulu que je la prenne en photo, tout en mimant le photographe. C'est une de mes dernières photos que j'ai faites au Cap-Vert, donc au mois de septembre dernier. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit le personnage. Le personnage de dos et avec la bassine sur la tête, le poisson est peut-être de dos aussi, je ne me souviens pas. Donc vous voyez, donc il y a toute une ambiance qui me plaît. Comme la plupart des photographes le pratiquent depuis l'avènement du numérique, le passage par l'ordinateur est une figure imposée. Moi, dans mes photos, ce que j'essaie de faire, c'est de recréer l'instant où j'ai pris la photo. Bien sûr, en la sublimant un tout petit peu. J'agis sur les contrastes, les lumières et un peu les couleurs. 1096, embrasement. Avec les autres membres du club photo de Pérignat-sur-Allier, il organise chaque année un concours national. Ce sera la 9e édition pour laquelle il faut répertorier et classer les clichés avant leur passage devant le jury. On reçoit en général entre 1200 et 1500 photos par an. Donc cette année, on est à peu près à 1200 photos, avec un nombre de participants qui s'élève à 230 personnes à peu près. Une sélection des meilleures photographies du concours sera exposée à la mairie de Pérignat-sur-Allier du 22 février au 1er mars.